Good morning, Aleiden, l'étude sera aujourd'hui le Lonishmat, Avram Chayen, Orbe, Ben Fortune, Mazal, Ayedida, Bet Esther. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Tmura, Perek Zayn Mishnah Aleph. Yesh Bekotche Misbeach, Mashé En Bekotche Bedek Abait. Yesh Bekotche Bedek Abait, Mashé En Bekotche Misbeach. Chekotche Misbeach, Osin Tmura. Vechavin Alem Mishum Pigul Motar Vetame. Vladan, Vechalavan, Asur Lachar Pigionam. והשוחתם בחוץ חייב, והן נותנים מהם לאומנים בשכרן, מה שאין כן בקודשי בדק הבית. La Mishnah, le notre Perek, va commencer en comparant deux types de kodashim, ce qu'on appelle le kodshe bedek habayit et kodshe misbeach. Kodshe bedek, kodshe misbeach, c'est tout ce qu'on... C'est-à-dire, lorsqu'on sanctifie quelque chose au Beit HaMikdash, il peut y avoir deux destinations. Soit en faire une offrande pour le misbeach, pour tout ce qui concerne les dons qu'on va faire à Hachem concrètement, de choses qui vont être encore consommées par les Kohanim, toute la voda du Beit HaMikdash, et il y a tout le côté entretien du Beit HaMikdash, qui va inclure même donner de l'argent dans la caisse du Beit HaMikdash pour balayer les rues, même de Yerushalayim, je ne sais pas, mais en tout cas de Har HaBayit, pour entretenir les trous dans la muraille, tout l'entretien, ce qu'on appelle les kodshei bedek habayit, c'est aussi la maison d'Hachem, on donne, d'accord? C'est un peu comme... Ok, deux types, deux destinations, ce qu'on appelle le kodshei misbeach, qui concerne les korbanot concrètement, les offrandes, et l'entretien du Beit HaMikdash. Alors la Mishnah me dit comme ça, on va comparer à présent, au début du chapitre, les kodshei misbeach, les halachot qui concernent le kodshei misbeach, tout ce qu'on va sanctifier en l'honneur du misbeach, pour être consommé, ou consommé, et ou tout ce qui va revenir pour les caisses du Bedek HaBayit. Pour l'entretien du Beit HaMikdash, de tout Har HaBayit. Donc il y a Yesh Bekotche Misbeach, il y a des singularités, des chumrot, même des halachot plus strictes, qui vont s'appliquer sur les Kotche Misbeach, sur ce qu'on va sanctifier pour le Misbeach, Mashé'en Bekotche Beit HaBayit, qui ne vont pas être en vigueur pour ce qui concerne la trésorerie du Beit HaMikdash. Veyesh Bekotche Beit HaBayit, il y a des chumrot qu'on va trouver dans les Bedek HaBayit, dans la trésorerie du Beit HaMikdash, que tu ne trouveras pas, Mashenken, Bekotche Misbeach, que tu ne trouveras pas dans les Kotche Misbeach. Ok? Dans ce que tu vas sanctifier pour le Misbeach. Et la Mishnah commence à les calculer, à les préciser. Il va y avoir Mishnah Aleph, elle va me dire chez Kotche Misbeach, elle va me dire les chumrot qu'on va trouver dans le Kotche Misbeach. Dans la Mishnah Bet, on va dire les chumrot qu'on va trouver dans le Kotche Bedek HaBayit. Chez Kotche Misbeach, tout ce que tu vas sanctifier pour le Misbeach, Osim Tmura, ils sont concernés par les lois de Tmura. Lorsque tu vas vouloir donc prendre un animal à la place d'un korban que tu avais désigné, et que tu vas dire un Reze Tmuradze, et que lui va être la substitution du précédent, de l'autre, eh bien, tu seras concerné par la loi de Tmura, les deux sont devenus Kadosh, et tu auras transgressé l'interdit. Mais chez Enken, ce qui n'est pas le cas dans le Bedek HaBayit, pour la trésorerie du Beit HaMikdash, tu as désigné que tu allais rendre ça à Kadosh, tu as voulu prendre ensuite un autre livre à la place, et bien tu pourras transférer à la Kedusha de la sorte. Donc chez Kotche Misbeach, Osim Tmura, ils sont concernés par la loi de Tmura. Et tu trouveras en eux l'interdit de Pigoul, Notar et Tamé. Pigoul, c'est, on avait appris ça dans Zvachim, ce que tu vas, lorsqu'on fait un korban, avec intention de le consommer au-delà des mesures, des limites de temps, on transgresse un interdit de Pigoul. On rend l'animal, on rend le korban pigoul, et si on le mange un chiouf karet spécifique, notar, c'est si tu vas dépasser les limites de temps. Tu avais un jour pour le manger, tu l'as laissé traîner deux jours, il y a un interdit de notar à le consommer, et tamé aussi s'il est impurifié que tu vas manger betouma, il y a aussi un interdit. Trois interdits qui sont spécifiques pour halachot, des kodshei misbeach, qui ne sont pas du tout existants dans les Bedek HaBayit, c'est-à-dire. Tu as désigné que ce livre, j'allais l'offrir au Beit HaMikdash. Donc ça va être la valeur du livre. Il n'est pas concerné par les lois de Pigoul, Notar et Tamé. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de. Même si. D'accord. Ensuite. Vladan. Vechalavan Asur Lachar Pidyonan. Les petits et leur lait vont être interdits après consommation. Bon. Alors là, il y a deux halachot. En fait, c'est inclus dans une même phrase, mais c'est deux sujets complètement distincts. Chalavan, le chalav. On avait déjà rapporté dans la mission précédente, on l'avait réévoqué de nouveau. Le passage qui me dit sur le psula mukdashim, un korban qui est devenu impropre au misbeach, qu'on va
lui racheter sa kdoucha, la faire transférer sur un autre animal. Celui-ci, on pourra le, maintenant, le premier animal qui était kadosh, qui est devenu, qui a eu un défaut, on pourra le manger. Le pasouk me dit tisbar vachalta basar. Trois mots qui ont été utilisés. Tisbar, tu l'égorgeras. Vachalta, tu le mangeras sa viande. On déduit de là tisbar velo giza. Tu le prends maintenant pour l'égorger, pour le manger, mais pas pour le tondre. Tu ne pourras pas faire de l'élevage de laine avec un ancien mouton qui était kadosh à l'époque. Vachalta velo le kalbacha, tu ne pourras pas le donner à manger à ton chien, comme on avait pris dans la chère précédente. Et la fin me disait basar velo chalav. Tu le manges, sa chair, mais tu ne te mets pas maintenant à élever une vache qui était anciennement kadosh pour lui traire le lait tous les matins et le vendre, ou le consommer, peu importe. Il y a un interdit de l'élever. Tu as le droit de manger la viande uniquement. Donc, même si tu as racheté la kdusha, ce qui n'est pas le cas, lorsque tu vas voir un animal qui était bedek habayit, que tu as sanctifié pour la trésorerie du Beth Amikdash, imaginez que j'avais un poulet qui n'est pas du tout un korban, il est sanctifié, j'ai dit mon poulet je l'offre à la trésorerie du Beth Amikdash. Il est devenu kadosh. Je vais racheter la kdusha du poulet. Ensuite, je vais prendre 30 shekels, je vais dire, bon, allez, je le rachète maintenant. Ce poulet-là, je pourrai en faire ce que je veux. Il n'y a pas de lait dans le poulet, mais il y a quand même des œufs dans une poule. D'accord? J'ai le droit de l'utiliser, il n'y a aucun problème. Vladan, maintenant, l'histoire avec le Vlad, le petit qu'elle va mettre bas une fois que j'ai racheté. Alors là, il faut préciser, on parle, il y a trois situations. J'ai un animal qui était kadosh. J'avais pris une brebis, je l'ai rendue korban, shlamim. Elle a eu un défaut. Et puis après, je vais racheter la kdusha, je vais la transférer ailleurs et je vais pouvoir manger la shlamim. Il y a trois cas de figure d'un Vlad, d'un petit qu'elle va mettre bas. Il y a mettre bas tant qu'elle est encore kadosh, une extrême. L'autre extrême, c'est une fois que j'ai complètement racheté la kdusha, elle va mettre bas. Et il y a un cas intermédiaire. Elle va tomber enceinte lorsqu'elle est kadosh. Elle va mettre bas lorsqu'elle n'est plus kadosh. Les deux extrêmes, on les connaît déjà. Elles sont nettes, et là, la Mishnah va parler du cas intermédiaire. Les deux extrêmes, c'est tout d'abord, Vlad Shlamim, Kishlamim. On l'avait pris dans le Perek, je crois que c'est Perek. Hey, Vlad Shlamim, Kishlamim. Lorsqu'elle est encore Korban, elle va mettre bas un Shlamim, eh bien, tu la porteras en Korban Shlamim. Il n'y a pas de problème. L'autre extrême, c'est maintenant, Katviv Chayal, Ye, la Torah l'a explicité. Lorsque tu rachèteras la kdusha, eh bien, cet animal, il sera comme un tzvi et comme un ayal. Il sera maintenant devenu comme un ayal. Il sera devenu comme un cerf, que tu auras le droit de le manger, tu auras le droit de faire ce que tu veux. Donc, tu auras le droit même aussi de prendre le petit qui va naître. Il sera complètement rouline, tu pourras le manger, il n'y aura aucun problème. Il y a juste quelques petites instructions par rapport à ce qu'on a dit, tisbar va khalta basar. Ouais, ne pas utiliser les, ne pas les tontes. Mais lui, mais le Vlad, qui est le petit qu'elle va mettre bas, tu pourras le consommer. Et dans le cas intermédiaire, lorsqu'elle est tombée enceinte, lorsqu'elle était kadosh, et qu'elle va mettre bas, lorsqu'elle va être plus kdosha, alors là, ça sort un, comme on dit en bon hébreu, nafal ben akisaot, il est tombé entre les deux chaises. Il n'est pas choulin, et il n'est pas kadosh. C'est-à-dire, c'est un mauvais kadosh. Il est saint, mais mal fait. Il a été procréé pendant qu'il était encore kadosh, il était procréé qu'il est avec kdosha, donc il a un statut de korban. Mais puisqu'il va naître à partir d'un animal qui est plus korban, alors ça s'appelle une kdusha drouya, ça s'appelle une kdusha qui a été repoussée. Et en fait, il s'avère que ce petit, tu ne pourras plus rien en faire, et il n'aura plus de kdusha du tout. Et voilà, d'accord. Je cherche juste qu'est-ce que... On ne pourra même pas le racheter, quoi. Il n'y aura rien à faire. Ouais, ça me manque un petit peu. On pourra rien en faire, quoi. Là, madame, on a d'autres que j'aimerais que je vous donne des choses. Ok. C'est pas précisé. Je pense qu'on a le droit de le consommer. On a plus rien à faire avec lui. Il faudra laisser mourir, à mon avis. Ensuite, je continue. Et l'autre cas de figure, dernier, encore autre élément de comparaison maintenant entre les coachés Bedek Abayit et le coaché Misbéar. Ah! Donc ça n'existe pas avec le coaché Misbéar. Coaché Bedek Abayit. Si j'avais par exemple, je peux même avoir une chienne que j'ai voulu sortir au Beth Amikdash pour la trésorerie du Beth Amikdash. Ça a une valeur, ça coûte 500 shekels, ça a été offert pour le Beth Amikdash. Elle tombe enceinte. Je la rachète. Eh bien, le petit qui va naître, je peux en faire ce que je veux. C'est devenu un bien, naturellement. Dès que je l'ai racheté, j'ai retiré la kdusha de... Tandis que
Je m'aventure un petit peu, je ne suis pas sûr de mon coup, mais je pense que si je sanctifie une chienne et qu'elle va mettre bas pendant qu'elle est encore kadosh, j'ai pas encore le temps de la racheter, alors je pense que le petit il appartiendra au Egdesh, à la trésorerie. Il faudra que j'achète la mère et que j'achète le petit. Mais lorsqu'elle était enceinte et que je l'ai racheté, eh bien là, j'ai retiré entièrement la kdoucha de toute la chienne avec le petit qui avait dedans, et dans ce cas-là, j'aurai le droit d'utiliser le petit et en faire ce que je veux. Ok ? On continue ensuite à comparer Vashochatan Bachutz Chayav. Celui qui va les égorger à l'extérieur du Beth Amikdash est transgressé en interdit sur la Shrita elle-même. C'est-à-dire, j'avais un korban, un bouton, il devait être korban. Alors, si je l'égorge à l'extérieur du Beth Amikdash, je transgresse en interdit le Shrut Echout, son Echaev Karet sur ça, il va porter un korban. Si on était Beshogig. Si j'ai fait la même chose avec un poulet, j'ai sanctifié un poulet, ça ne monte pas sur le Mizbeach. Ouais, dans la Torah, on n'amène que Torim ou Bnei Yona. Donc j'ai sanctifié un poulet pour la trésorerie du Beth Amikdash. Et après, ça m'a pris de l'égorger. C'est sûr, c'est pas joli, je suis un voleur, j'ai fait quelque chose de pas bien. Par rapport au Beth Amikdash, je l'aurais fait perdre, il faudrait que je les indemnise. En tout cas, je n'aurais pas transgressé l'interdit de Shrut Echout sur la Shrita elle-même. Ok ? Ve'en notnin mehem la Oumanin Misraran. Avec les coutumes Misbeach, tu ne pourras pas en donner aux Oumanim, aux artisans, pour leur salaire. Il y avait le Beth Amikdash, il avait besoin d'embaucher des fois des gens, pour des maçons, pour. Il y avait des trous dans la muraille, ça existe. Ouais, une pierre récemment qui est tombée du côté. Yes. Des artisans qui vont venir entretenir le Beth Amikdash, qui vont réparer, qui vont repeindre, qui vont faire toutes sortes d'entretiens. Il faut les payer, ces gens-là, ils ne viennent pas gratuitement. On les paye avec quelle caisse? Avec la caisse de la trésorerie du Beth Amikdash, le Bedek Abaït, mais pas avec les Kotchim Mizbeach. Imaginez qu'il doit porter un corban et qu'il dit, ben tu sais quoi, regarde là-bas, là t'as un mouton, donne-le moi, comme ça je vais l'apporter ensuite en corban là. On lui répond, non, on ne peut pas te payer avec ça. On te paye avec l'argent du Bedek Abaït, la trésorerie, tu le prends cet argent, tu vas t'acheter un mouton si tu veux. Ok? Et tout ce qu'on a, donc tous les cas de figure, qu'on a évoqué toutes les différences, eh bien, Machenken, Mekotche, Bedek Abaït, et ne seront pas en vigueur sur le Bedek Abaït, sur la trésorerie du Beth Amikdash. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Sela.